seul bénéfice de la France et de son avenir. J'affirmais ce jour-là que le Front National que je présiderais serait un parti renouvelé, ouvert et efficace et fixé comme objectif d'en faire un instrument puissant, performant, destiné à la conquête et à l'exercice du pouvoir. La cohérence et la clarté de notre stratégie sera aussi le socle de nos victoires de demain. Loin de nous reposer sur nos lauriers, même s'ils sont glorieux, nous devons avec modestie, exigence et conviction nous remettre immédiatement au travail pour créer à la prochaine présidentielle le grand basculement démocratique qui marquera l'an 1 du redressement de notre pays. L'heure va être à l'action et nous devons nous y préparer. Nous progressons. Dans le cœur des Français où nos idées triomphent, dans les urnes où nous montons sans cesse, élection après élection. Et nous avons des ambitions immenses. Les régions demain et après-demain, la nation nous attend. Ne soyez ni anxieux ni abattus. Soyez juste impatients. Les forces qui montent du pays sont puissantes, comme un instinct de survie. Je les crois irrésistibles. La France vaut mieux que ces politiciens qui l'entraînent vers sa disparition au sein d'un magma mondialiste, européiste, sans frontières et sans âme. Mieux qu'une nation assaillie par l'immigration, le chômage, la précarité, l'insécurité et l'angoisse. Dès décembre prochain, nous pouvons transformer les élections régionales en aurore du renouveau national. Après, il restera 16 mois avant la mère de toutes les élections, il restera 16 mois pour que le peuple français redevienne maître chez nous. Il restera 16 mois pour que le peuple français redevienne le seul et véritable acteur de son destin.